C'est parti pour les Vlogmas. C'est parti, Vlogmas. Et bonjour. Nous et sommes. Bonjour. Nous sommes actuellement dans la voiture et on est où, Cali? Ikea. Sans la sucette, ça donne quoi, chérie? Ikea. Enlève la sucette. On est où? Ikea. Ikea. Et c'est qui voulait aller à Ikea? C'est Cali. Donc Cali, elle veut aller à Ikea le dernier samedi avant Noël. Et voilà. Donc à mon avis, non mais on y pensait nous aussi. En fait, hier on avait dit parce qu'on devait voir une voiture à Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne, il y a le grand Ikea et tout. Donc on s'était dit, on va voir la voiture et on ira à Ikea. Mais en fait, la voiture, on a dit qu'on ira une autre fois. C'est pas bien grave. Mais on avait dit qu'on allait à Ikea. Donc Cali, elle a retenu Ikea. Donc voilà. Donc on est à Ikea Lyon. Sinon, on est passé à Mondial Tissu juste avant, puisque je voulais acheter du tulle, donc pailleté comme ça, pour ma table de Noël. Donc ça, c'est très bien. Donc je vais faire une nappe avec ça. Et j'ai racheté de l'éponge parce que j'en avais plus du tout et puis il m'en faut en stock. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on va à Ikea. On n'a pas mangé. Il est 1h, mais on s'est levé assez tard puisque les filles se sont réveillées à 10h. Donc franchement, on a pu bien dormir. Trop cool. Et voilà, donc on va manger un bout à Ikea. Ça sera très très bien. Doudou est en train de sortir la poussette. Voilà, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas filmé de vlog. Donc, oh là là, dis donc. Donc autant vous dire que ça fait du bien de reprendre. Ce vlog sortira après une petite vidéo explication de pourquoi on a un petit peu délaissé YouTube. Parce qu'en fait, beaucoup me suivent sur Instagram, mais d'autres ne me suivent pas sur Instagram. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo avant ce vlog, je vous invite à cliquer sur le petit i. Vous aurez la vidéo explicative de pourquoi il n'y a pas eu de vlog pendant 6 jours. Voilà. Voilà, voilà. En tout cas, aujourd'hui, tout va bien, tout va mieux. Aria est en pleine forme. On a retrouvé notre bébé sourire. Tout va bien. Ah, monsieur Doudou, on te voit. Bonjour. Donc voilà. Et sinon, je pense qu'on va nous poser la question, qu'est-ce que vous allez prendre comme voiture? On va se diriger pour un 3008. Voilà, on a un 5008 et on va prendre un 3008. Avez-vous votre 3008 à vendre? Donc, si quelqu'un a une 3008 à vendre, bon, pas trop loin, hein, parce que voilà, hein, le 5008, on l'a acheté à Paris, donc faudrait pas monter trop trop loin. Mais il y en a plein autour de chez nous, hein, il y en a plein. On a même le choix dans la couleur, donc ça c'est top. Et voilà. Voilà, voilà. Bon allez, on est parti. Ikea, à mon avis, il va avoir du monde. Il va avoir du monde. On verra. Je vous reprendrai après pour vous dire si je regrette d'être allée à Ikea ou non. Voilà. Cali, qu'est-ce que tu manges? Des boulettes. Des boulettes, oui. Avec des frites? Et Aria? Aria, c'est épinard. C'est bon. On coupe? Bon, et papa et maman? Maman, elle a pris des boulettes avec la confiture, là, c'est trop bon. Le petit gâteau au daim. Et Doudou, il a pris des boulettes de légumes avec du saumon. Il est où le panda? Bon, on était reparti pour acheter quoi? Une étagère. Deux saladiers. Ouais. On repart avec une chaise haute pour Cali, le lustre pour Aria. Ici, c'est des colis que j'ai récupérés ce matin. Il y a du coussin, il y a des draps pour le lit d'Aria. Il y a une pieuvre là pour étendre notre linge cet été. Bon, je suis en avance. Hein. Bref, je vous montrerai tout ça à la maison. Mais voilà, voilà, on a craqué quoi. Ikea. Doudou va monter le lustre. Je pense qu'il va s'amuser. Qu'est-ce que tu fais sur la table, toi? Goji. T'as des croquettes. Hein. Je pense qu'il va s'amuser. on a la première version dans la chambre de Cali. Et Aria, elle l'adore. Chaque fois qu'on allume la lumière, elle le regarde et tout. Vous savez, c'est le lustre avec les fleurs en bout, là. Moi, à l'époque, quand j'avais acheté le mien, parce que tu sais, je l'avais acheté chez mes parents pour ma chambre, je l'avais payé très cher. 99, non? Non, pas 99, 79, je crois qu'il était. Donc là, il était à 35 au lieu de 49 en offre family, donc ça valait le coup. Enfin voilà. Donc ça, qu'est-ce qu'on a pris? Clic, 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 puis voilà. Oui, non, c'est simple. Non, c'est simple. Sinon, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Alors ici,
On a pris, donc, comme je vous ai dit, la pieuvre pour attacher les vêtements des filles, les soutiens-gorge et tout, l'été, hein, dehors. Ensuite, on a pris une lampe pour la petite table de chevet à Cali. Parce qu'en fait, Cali, la nuit, elle aime bien allumer sa lumière pour boire toute seule et tout. Donc ça, c'est top. J'ai pris deux plats en verre que j'avais cassés. J'ai repris des housses de coussin pour Cali. Puisqu'en fait, je lui ai racheté un drap. Je voulais lui racheter un drap pour changer un petit peu. Donc je lui ai pris celui-ci avec les petites fleurs. Là, je le trouve trop beau. Voilà, donc je vais le laver. Ça va partir. T'es sérieuse, là ? Tu vas vomir dans mon carton ? C'est quoi ces bruits que tu fais là ? Ne vomis pas dans le carton. Hein. Donc j'ai pris le drap, j'ai pris les housses là, de coussin. Ensuite j'ai pris cette housse de coussin, ça ira parfaitement. Et j'ai pris deux coussins couleur bordeaux, donc ça ira nickel. Et j'ai repris un drap housse aussi, couleur rose. Voilà. Donc ça, je vais tout y sortir, je vais tout y laver, comme ça, ça sera tout propre. Et je pourrai changer les draps demain. J'ai racheté deux cuillères comme ça, j'ai jamais assez de cuillères en plastique comme ça, donc voilà, 1 euro pièce, nickel. Et voilà, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal, hein, vous me direz, parce que là, il y en a déjà eu pour 150 €. Hein. À Ikea, on se rend pas compte, ça monte très très vite. Le bonheur pour un chat. C'est une blague ? Habituellement, tu aurais joué avec. D'accord, très bien. Bon, sinon, les filles sont couchées. On les a recouchées parce qu'elles sont endormies dans la voiture. Sinon, ce matin, on allait récupérer une petite commande Vinted. J'avais commandé une petite jupe en simili-cuir pour Calinette. D'ailleurs, c'est une abonnée qui m'a dit qu'elle avait un compte et je lui ai acheté à elle. Jessica, Johanna, presque ça, Johanna. Donc si tu passes par là, Johanna, merci beaucoup. J'ai trop hâte de l'avoir dedans. Sa petite jupe en simili-cuir, ça va être trop mignon. Sinon, on a reçu un colis également Lush avec plein de choses pour faire du cocooning et ça, c'est trop cool. J'ai reçu un baume exfoliant pour les lèvres, une bombe de bain, tout plein de trucs. Et il y a un mot personnalisé écrit à la main, donc ça, je kiffe. Je kiffe. Et voilà, celui-là, c'est une tuerie. J'adore. C'est l'exfoliant pour les lèvres. Il est au bubble gum et... Non, je sais même pas si c'est bubble gum. Ça, c'est quoi ? Un baume pour les lèvres ? Je sais même pas s'il est au bubble gum. C'est le bleu. Je sais pas ce que ça sent. Je crois que c'est framboise. Enfin bon, on a eu un baume pour les lèvres, on a eu de la crème pour les pieds, crème pour le corps et tout, plein de trucs. Donc, trop contente. C'est tout là. Et c'est emballé dans des foulards, donc ça, c'est top. Enfin, voilà. Allez, on va se monter le lustre, comme ça, on pourra l'installer. Ah oui, on a pris une chaise aussi, une chaise haute. Tu l'as sortie ? Ouais, mais elle est à plat, mais juste là derrière. Ah, on a acheté une chaise haute pour Calinette, parce que le rehausseur, c'est bien, mais voilà, une chaise haute, ça sera encore mieux. Elle l'a testée, je lui ai fait essayer en magasin pour voir si elle arrivait à monter toute seule, à descendre toute seule. Il n'y a pas de problème, donc c'est parfait. Voilà, je suis ravie pour elle, quoi. Elle montera toute seule, elle descendra toute seule de table et c'est cool. Autonomie. Bon, on est tous à l'étage. Je ferme la barrière. Hein, parce que Cali, il n'y a pas de problème. Elle descend, mais Aria, on va limiter quand même. Hein. Elles sont où les pépettes ? Elles sont là. Ouh, c'est disco dans ta chambre, Aria ? Tiens, là, tu peux éteindre. Hop, j'éteins. On a monté le lustre là avec les... J'ai des étoiles sur le visage, c'est tout à fait normal, hein, c'est ça. On l'a monté là. Il y a 84 fleurs à clipser avec les petits bouts de doigts là. C'est une... Bon, j'y suis arrivée, hein, je les ai tous mis. J'avais fait la même chose dans la chambre de Cali. Enfin, Cali, le lustre, c'est pas du tout la même forme. C'est le même esprit, mais c'est pas du tout les mêmes fleurs. Donc c'est cool, elles ont un peu le même, mais sans avoir le même, vous voyez. Donc c'est cool. J'adore ce lustre, en plus, ça fait... Oui, je suis là. Ça fait les fleurs sur les murs et tout, c'est trop beau. Voilà. Bon, sinon, j'ai fait tourner les draps à Cali, donc demain, je changerai ses draps. Vous voyez, j'ai pris... elle a des housses de coussin comme ça, en fait, qui vont avec son drap. Donc j'ai pris... Elle avait des violets, des gradés roses comme ça. Oui, c'est ton lit, chérie. Attention, regarde qui c'est qui arrive. Donc je lui ai changé comme ça, elle aura tout, ça sera cool, ça ira bien. Oh, les
jumelles là, habillées pareil avec leurs robes. Elles sont belles, vous. Mais m'engueule pas. Ça, c'est un câlin d'amour, hein. Oui, c'est un câlin d'amour, ça. Coucou. Aïe, 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 les frangines. Bon, allez, Doudou, il va installer tout ça. Il a tout enlevé. Ah, mais en fait, il n'y avait pas d'accroche. Il faut qu'il mette un sucre et tout. J'espère qu'il en a. Je suis pas sûre. Bon, on verra bien. Sinon, ah oui, ça, il faut que je l'installe. Je lui ai acheté une petite lampe de chevet. Donc, je vais lui installer. Comme ça, au moins, moi, j'espère qu'elle va pas trop s'amuser avec la nuit. Bon, je lui fais confiance, hein. Mais bon, on lui expliquera que c'est pas pour jouer. On verra bien. Bon, je vais lui installer. Vas-y, refais. Vas-y. Tais-toi. Oh. Oh. Doucement les pieds. Bon, bah voilà la petite table de nuit de Calinette. On éteint ? Bravo! En fait, j'ai retourné la caisse, mais je trouve ça pas mal. Voilà, au moins, ça m'a permis de trier les peluches. Oui, mais stop, on s'amuse pas avec. Cali, c'est pas un jouet, hein, d'accord? On éteint, on va descendre. Voilà. Bon, c'est cool comme ça. À voir si je rachète pas une cagette. Elles viennent de Ikea, celle-là. Pour mettre à côté, pour remettre les doudous dedans. Ouais, on verra. On verra, on verra. Droit, j'aime beaucoup. Voilà, et puis c'est pile poil à sa hauteur, donc c'est parfait. Et voilà pour le lustre, il est installé. Parfait. Nickel, nickel. Bon, j'adore. Hop. Bon, la chambre d'arrière, elle n'a pas changé. Hein. Il n'y a rien qui a changé. Non. Non, non, il y a juste. On a ressorti le cube là, parce qu'elle commence à jouer un petit peu toute seule. Mais sinon, il n'y a rien qui a changé. Il faut que je ramasse ça. Hop là, voilà. Mais sinon, rien n'a changé. Et le lustre va trop, trop bien. Vous voyez, ça fait les motifs contre le mur. C'est trop canon. J'adore. Ils sont vraiment beaux, ces lustres. Hein. Ils sont pas donnés, mais ils sont beaux. Qu'est-ce qu'on fait, Cali ? Qu'est-ce que tu manges ? Une pomme. Tu manges une pomme ? Mm. Bon, je suis en train de faire le boudin pour ce soir. Alors, je sais pas si vous aimez le boudin, mais nous, on adore le boudin. Voilà. Il y en a qui n'aiment pas du tout. Il y en a qui adorent. Moi, on fait partie... des gens qui adorent le boudin et Cali adore le boudin. Donc je suis en train de faire une purée au cookéo. Ça c'est quoi ? Du sel, mon amour. Du sel et ça ? Ça c'est que du ça. Ça c'est du sel. Ça c'est quoi ? Du sel. L'autre. Du sel. Oui, maman, elle a 3 sels. J'ai toujours peur d'en manquer. Donc ça c'est quoi ? Le poids. Donc, je suis en train de faire du boudin aux pommes avec de la purée. Voilà, pour ce soir. Donc, j'ai découpé mes pommes en petits quartiers, comme ça. Mon boudin, je vais le faire cuire après. La purée est en train de cuire. Donc, voilà, on va être bon. Il est 19h10, donc ça va. On ne va pas manger trop, trop tôt ni trop, trop tard. J'ai pas eu de coup de fil du boulot. En fait, hier, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, est-ce que vous pouvez faire au cas où la nuit, etc. Donc, je leur avais dit qu'il n'y avait pas de problème. Donc, voilà. Je ferme bien mon frigo. Hein, parce qu'à chaque fois que j'ai le malheur de laisser ouvert mon frigo, on me le dit. Je suis désolée. C'est... Je sais pas. Des fois, je l'ouvre. Je pars faire autre chose. Et voilà. Bon, désolé. Hein, c'est comme ça. Pardon. Désolée. Bref, allez. Je m'occupe de mes pommes. Je vais les faire revenir. Je vais les faire un petit peu caraméliser. Là, ça va être très, très bon. Avec le boudin, ça va être très, très bon. Et voilà. Sinon, sinon c'est tout. Elle est excitée. Sinon ce soir, ah, je vous ai pas montré. J'ai acheté ça comme tissu, vous voyez, pour ma table. Ça va être trop canon et je vais m'en occuper ce soir. Je vais faire ma nappe ce soir, comme ça au moins ça sera fait. Parce que sinon, ça va être trop la course de la faire lundi ou quoi. Donc voilà. Et sinon, autre chose, j'ai monté la chaise haute pour que Cali puisse manger avec nous. Donc voilà, elle est là, elle est trop bien.
Mais t'arrêtes de crier. Arrête de crier. Tu veux mon doigt? Enlève tes doigts de ton nez. Mais ça, c'est une manie. Je crois que c'est l'âge. Enlève ton doigt de ton nez. C'est pas bien. C'est pas bien. Non, c'est pas que c'est pas bien. C'est pas propre. Hein? Allez, je m'occupe de mes pommes. Et voilà le repas de ce soir. Donc les pommes ici que j'ai fait caraméliser avec un petit peu d'eau et un chouïa de sucre, mais vraiment pas beaucoup. Le boudin, moi personnellement je le fais comme ça, j'aime pas la peau et tout. En fait, quand on fait cuire avec la peau, je trouve qu'il n'y a que la peau qui cuit et l'intérieur non. Donc je préfère le dépiauter. Et purée de pommes de terre qui est très très bonne. Est-ce que c'est bon ma chérie? Oui. Oui. Quelle elle adore le boudin. Elle adore ça. C'est bon le boudin? Voilà. Je suis en train de regarder le plafond là. La dernière fois, j'étais en train de me maquiller. Et je sens une goutte sur la tête. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et en fait, il y avait une fuite qui venait du Velux. Le Velux, ça fait 2 ans et demi qu'on l'a posé. 3 ans même. Ça fait 3 ans qu'on l'a posé parce que j'étais enceinte d'Aria, de Cali quand on l'a posé. Et en fait, il y a de l'eau qui coule. Donc, ça craint un peu quand même. Hein? Et il n'y avait jamais eu de fuite. C'est un jour où il pleuvait beaucoup. Alors, avec Doudou, Doudou, il va regarder. Bon, pas aujourd'hui parce que bah, déjà, il fait nuit. Et puis, qu'il pleut là. Mais il faudrait qu'il regarde, en fait, s'il n'y a pas une tuile qui a bougé ou quoi et que l'eau s'infiltre. Alors, ça coule pas. Il n'y a pas de cloque ou quoi. Hein. Je pense que ça doit goûter un tout petit peu. Et là, je vous dis, j'ai pris pile poil la goutte qui est tombée, quoi. Mais bon, on va se méfier quand même. Hein. Faudrait pas qu'il y ait une inondation. Enfin, une inondation, vous voyez, quoi. Qu'il y ait un. Comment on dit ça? Qu'il y ait de l'eau qui rentre, quoi. Ça serait pas bon. Enfin, bref. Je vais aller prendre ma douche. Je vais aller me mettre en pyjama. Et vous savez quoi? Ça, c'est un exploit. Hein. Mais on va se mettre devant la télé avec Doudou. Ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. On va se mettre devant la télé et je vais lui mettre la douille à la Switch. Parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué à la Switch. Il y a 4-5 mois de ça, on s'est acheté un jeu sur la Switch, le Super Mario. Et on l'a pas ouvert. Pour vous dire, il est encore sous blister. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas posé devant la télé sans coton à retourner, sans coton à tracer, sans tout ça. Voilà, donc autant vous dire que là, on est en off pendant un moment parce que j'ai traité toutes les commandes et ça fait plaisir. Voilà, en sachant qu'il y a la nouvelle collection qui va sortir en janvier. Donc ça fait du bien, franchement ça fait du bien. Voilà, donc soirée tranquille dans le canapé ce soir et ça c'est cool. Cool, cool, cool. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas joué à la tablette. Enfin, pas à la tablette, à la Switch, qu'il n'y a plus de batterie et on ne sait plus comment l'utiliser. Il y a certainement. Eh ben, voilà, il y a une mise à jour. J'ai un bobo sur le doigt, je ne sais pas comment je me suis fait ça. Oh. Moi, j'ai un bobo. Oh. Bon, sinon, j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux, moi j'ai aussi mis ma crème et tout. La dernière fois qu'on est passé à Lush, quand c'est qu'on y est allé? Oui, quand on est allé en ville, là, qu'on s'est fait notre journée tous les deux, j'ai acheté un disque démaquillant. Donc là, quand je l'ai acheté, le mec il me dit oui, ça s'utilise pendant 2 semaines à peu près, vous pouvez l'utiliser. Donc j'ai essayé une première fois ce soir et franchement, ça démaquille super bien. Je suis assez. Je suis sur le cul. Enfin voilà, donc je suis trop contente. Ça coûte. Combien j'ai payé? 3 euros, non? Je sais pas, je sais plus. Je crois que j'ai payé 25 euros, j'avais la crème à 22 euros et 3 euros de. Ouais, c'est ça, donc 3 euros. 3 euros, bon, c'est pas donné, hein, on est d'accord, hein, mais bon. C'est du Lush. Après, tu les réutilises plein de fois. Mais non, c'est un produit en fait. C'est juste un produit. Ouais, c'est un produit en forme de démaquillant. Ouais, c'est le disque. Ouais. Le disque est fait en forme du produit en fait. Donc au bout d'un moment, il n'y a plus de produit, donc il n'y a plus de disque. Mais du coup, c'est réutilisable combien de fois ce produit? Pendant 2 semaines, il disait le vendeur. Bah, 2 semaines, mais ça dépend combien de fois tu l'utilises. Bah, c'est ça, si tu te maquilles qu'une fois pendant 2 semaines. Donc, bon, on verra bien. Je vais tester, je vais le terminer et puis on verra bien. On verra bien. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va lâcher l'affaire avec la batterie. Ça charge vite, hein, mais bon. Ouais, ça charge vite. Je pense que si tu le charges en plus, ça risque peut-être d'aller vite. Enfin, de toute façon, ce qu'on va faire, on va vous faire des bisous maintenant. On va vous dire à demain, parce que demain, on sera là. Oui, oui, on sera là. Ah, on sera là. Oh oui, mais moi aussi, je me laverai. Je me suis lavé les cheveux aussi. Non, faut que tu te rases là. Ouais, c'est un peu long là.
On voit plus tes yeux. Faut que je me rase pas. Qu'est-ce que je suis drôle. Quel humour d'ami. Non, on va vous faire des bisous, on va vous dire à demain. Je rigole, le taquine, hein, qui aime bien, châtie bien. Merci. Et vu comme je l'aime, croyez-moi que je le châtie beaucoup. Je ne sais plus ce que je disais. Je vous dis à demain, on se retrouve demain. Demain, c'est dimanche. On a quoi de prévu? On doit aller à Max Aventure, on l'a dit à Cali. Donc demain, on va à Max Aventure. Et est-ce qu'on se ferait pas un petit marché demain matin? Il y a le marché de Genas qui est dispo. Tu sais, on l'avait déjà fait. Ouais, sud Genas. Ah, c'est oui. Tu te rappelles? On en a parlé l'autre jour. Enfin, bon, on verra bien. On verra demain. Déjà, on verra à quelle heure les filles se lèvent. Parce que ce matin, elles se sont levées à 10h. Donc, autant vous dire que quand tu te lèves à 10h, la matinée est déjà bien passée. Hein? Ouais, le temps de descendre, machin, le truc. De les habiller et tout. Oh, j'ai plein de paillettes. Ah, je voulais m'occuper. Oh, mais t'es mignonne avec tes paillettes. Je voulais m'occuper de ma nappe. Moi, je pense que ça sera fait demain. Voilà. Ouais, procrastination, bonjour. Ah. Des fois, ça fait du bien de se poser dans le canapé. Ah, d'ailleurs, à Ikea, on a essayé plein de canapés. Et j'ai repéré celui que je voulais. C'est ça. Bah quoi? On a dit qu'on changeait de canapé. Oui. Avec une méridienne. Demain. Ah, mon petit chat. Mm-hmm. Bon, par contre, c'est pas donné un canapé. Bah, c'est un billet de 1000 euros. Ah d'accord, donc c'est pas suite 450. Ah bah non. Non mais si on change de canapé, attends, autant mettre un truc où on est bien confort. Oh, il y en a un, oh, on s'est avachi dedans. Clairement, on s'est avachi dedans. Qu'est-ce qu'on était bien dedans. Vous savez, j'ai une goji dans la gorge. Elle est là, ouais. Goji. Bah j'ai une deuxième goji dans la gorge. Ouais. Enfin. Bon allez, on vous fait des bisous. Ça tousse en haut. Des bisous. À demain. Si vous le voulez bien. Ils le veulent. Sûr. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires sous la vidéo qui est sortie aujourd'hui samedi. Merci. À demain.